Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé « Enseignement sur l'Apocalypse », la 69e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces cultes sur Internet et les téléspectateurs de GCN, après la misère de la grande tribulation de ces temps, le royaume du millénium où le Seigneur règne est dévoilé. Frères et sœurs, n'êtes-vous pas curieux de savoir comment les enfants de Dieu, sauvés, les gens spirituels, vivent comme des rois dans le royaume du millénium? Et c'est que, et tandis que les gens charnels mangent, et comment ils vivent, n'êtes-vous pas curieux? Veuillez écouter attentivement le message d'aujourd'hui. C'est la période sans larmes, sans chagrin, sans maladie, sans désastre, sans pénurie. Il y a que paix et bonheur pour combien de temps? Pendant un millénaire, ces âmes sauvées jouissent de la gloire auprès de notre Seigneur, le Roi, et vivent sur terre avec les gens charnels. Je vous ai expliqué la vie dans le royaume du millénium dans la dernière session. Étant donné que beaucoup d'entre vous veulent en savoir plus sur le royaume millénaire, je vais vous donner plus de détails sur le royaume millénaire. Jetons un coup d'œil dans la ville où vivent les gens spirituels. Je vous ai dit précédemment que les enfants de Dieu ont assumé le corps, ont revêti le corps ressuscité et qui sont les gens spirituels qui vivent dans les villes séparées des gens spirituels. Il y a une ville centrale et d'autres villes sont comme des villes annexes. Comme des villes annexes qui se trouvent sur chaque continent. Dans le centre-ville, il y a de nombreuses chambres. Selon le rang et l'ordre, il y a des chambres pour le Seigneur, le Saint-Esprit, le prophète, le Saint. L'emplacement et la taille des chambres sont fixés en fonction du rang du propriétaire. L'emplacement et la taille d'une pièce révèlent le rang céleste, mais la pièce n'est pas aussi grande que la maison céleste. Les chambres de la ville ne sont pas des récompenses d'usage officiel données aux saints. Ce sont des lieux de séjour temporaires pendant le royaume du millénium. Seul un minimum d'espace est accordé. Par exemple, c'est comme un homme riche qui possède un immense manoir séjournant dans un hôtel lorsqu'il part en voyage d'affaires. Ou en voyage, il est impossible d'amener son immense manoir, n'est-ce pas? De plus, les personnes spirituelles n'ont pas besoin de toilettes, de salles de bain ou de buanderie. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un lieu individuel à eux. De plus, même si la pièce n'est pas aussi grande que la maison au ciel, la taille de la pièce n'a pas d'importance pour les gens spirituels qui sont dans le corps ressuscité. Le concept d'espace est différent de quand ils étaient dans le corps charnel. Ainsi, ils ne se sentent pas enfermés ou confinés. Même s'il y a d'innombrables saints qui ont été sauvés depuis la création parce qu'ils n'occupent qu'un espace minimum, ils peuvent tous tenir dans la ville. Outre les chambres individuelles, au centre de la ville se trouve une salle de conférence, des bureaux exécutifs et des salles d'audience. Une salle d'audience est nécessaire lorsque les gens spirituels rendent un jugement sur des questions compliquées qui surviennent parmi les gens charnels. Il n'y a pas de conflit ou de poursuite par mal. Cependant, il est nécessaire d'établir certaines règles de conformité mutuelle et de contrôle lorsque diverses personnes se réunissent pour vivre ensemble. En plus de tout cela, il existe de nombreuses installations qui peuvent être appréciées dans l'espace spirituel. Au début du royaume du millénium, les gens spirituels peuvent librement marcher et voyager à l'extérieur de la ville. J'espère que vous ferez beaucoup de visites pendant cette période avec moi. Vous pouvez aller où vous voulez et aller, mais ne pouvez pas vous le permettre. Cependant, à mesure que le temps passe et que le nombre de gens charnels augmente, leur activité en dehors de la ville devient progressivement plus restreinte et ne marche pas.
plier aussi librement qu'au début. À l'exception de certaines situations inévitables, ils restent ensuite à l'intérieur de la ville. C'est pourquoi la ville est équipée de nombreuses installations et qu'ils peuvent utiliser pour profiter, voir, apprendre les choses spirituelles. Ils organisent des fêtes parmi les gens spirituels et se souviennent de banquets, de mariages de ces temps. Ils apprennent également la connaissance du monde spirituel. Peu importe ce qu'ils font, ils profitent de 1000 ans sans s'ennuyer et ne ressentent pas les 1000 ans comme étant longs. Ils auront des moments de bonheur pendant cette période. J'ai également mentionné qu'en plus de la ville du continent central, il existe des villes de type circuitale sur chaque continent. Parmi les gens spirituels, certains occupants, certains postes de direction sont envoyés dans chaque ville avec d'autres gens spirituels qui aideront le leader. Il y a des leaders qui étaient au 4e niveau de la foi, il y en a d'autres qui étaient au 3e, 2e et au 1er niveau de la foi. On leur confie leurs propres devoirs. Vous pouvez le comprendre facilement quand vous pensez au château du Moyen-Âge. À l'intérieur d'un château, il y a le seigneur du château, il y a des gens normaux et qui vivent à l'extérieur du château. À l'intérieur du château se trouvent les personnes qui appartiennent au seigneur du château. Et ils sont la famille du seigneur. Il y a aussi des intendants, des femmes, des chambres, des subordonnés et d'autres qui servent. De même, il y a un homme spirituel qui est en charge de chaque ville. Il y a des gens qui ont des rangs spirituels plus élevés et certains rangs moyens. Et d'autres de rang inférieur, ils vivent ensemble, s'occupent de leurs propres devoirs. J'ai expliqué que les gens spirituels règnent pendant 1000 ans, signifie qu'ils sont aussi nobles que des rois par rapport aux gens charnels. Cependant, il existe assurément des rangs et des ordres parmi les gens spirituels selon la mesure dans laquelle ils avaient accompli la sanctification. Et différents grades décident de différentes tâches. Bien sûr, leur devoir n'est pas un travail insignifiant ou une corvée. Mais c'est parce que la ville est un espace spirituel entouré de lumière. Contrairement à l'extérieur de la ville, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de problème de panne. Maintenant, à mesure que le nombre de gens charnels augmente, les travaux que les gens spirituels devraient faire augmentent également parce qu'ils doivent les enseigner et les gérer. Au début du royaume du millénium, il n'y a pas beaucoup de gens charnels et donc les gens spirituels ont du temps libre. Ils peuvent profiter de voyager dans de nombreux endroits avec le Seigneur. Bien sûr, comme je l'ai expliqué dans la dernière session, à l'époque du millénaire, la Terre n'a pas la même civilisation ou le même environnement naturel qui existait juste avant la grande tribulation de ces temps. Il reste des ruines de la destruction, de guerre et de catastrophes, mais d'autres choses qui existaient ont disparu sans laisser des traces. Lorsque le Seigneur restaure à sa parole et restaure l'environnement naturel que Dieu le Père a créé, il enlève le polluant et les contaminants pour qu'elle soit un peu semblable à la terre au temps d'Adam avant la malédiction. Mais en mieux. Cependant, le vestige de la civilisation et les bâtiments et les infrastructures ne sont pas restaurés. Ce qui avait été détruit reste détruit et ne reste aucune trace d'autre chose. Cependant, lorsque vous visitez un tel endroit qui existait autrefois, les anges installent un écran et vous pouvez voir sa structure d'origine à travers les images sur l'écran. Par exemple, lorsque vous vous rendez sur le site des pyramides, vous pouvez voir comment elles ont été construites et à quoi elles ressemblaient à l'origine. Ou alors que vous partez en pèlerinage, le Seigneur peut vous guider jusqu'à l'endroit même où il a exercé son ministère. Le chemin du Seigneur Jésus ont des vestiges de lumière, même si de longues années se sont écoulées. À travers l'écran, vous pouvez regarder le bâtiment de ces jours et la situation exacte à ce moment-là. Vous pouvez regarder et en apprendre non seulement sur l'histoire et la civilisation de l'humanité, mais aussi sur la providence divine de la création de la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a prévu le royaume du millénaire pour nous faire connaître la terre où nous sommes nés et cultivés. Notre maison
et le ciel, mais la terre où nous avons été cultivés peut être considéré comme notre deuxième maison. C'est la grâce de Dieu que nous ne manquions pas et que nous n'avons aucune inquiétude concernant la deuxième maison. En fait, il y a une raison plus importante à cela, mais je vous en parlerai plus tard. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'allons pas directement au ciel après le jugement, pourquoi nous redescendons sur terre et vivons pendant un millénaire après le banquet de mariage de 7 ans. Quand vous êtes erré, même 1000 ans semblent être un instant. Parce que vous vivez éternellement au ciel, vous vivez 1000 ans sur la terre, enfin, de ne pas avoir d'attachement persistant à la terre. En voyageant toujours, vous serez content de penser, né et élevé en Corée, et je voulais m'assurer de visiter la Suisse, et maintenant, j'y suis allé, je voulais regarder la faune en Afrique, et maintenant, je vis des lions et toutes choses. Je vous ai dit que toute personne spirituelle n'apprendrait pas directement du Seigneur lorsqu'elle voyage et visite la terre. Ces gens spirituels de haut rang peuvent entendre et apprendre directement du Seigneur, mais tous les saints sauvés ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont nombreux. Ils apprennent de ceux qui entendent et apprennent directement du Seigneur. De cette façon, le royaume du millénium et le ciel opèrent dans un ordre, un système très clair et strict. Et cependant, comme le temps passe, il est difficile de voyager dans de nombreux endroits de la terre. Alors que la population des gens charnels augmente rapidement, les gens spirituels restent principalement à l'intérieur de la ville. Au besoin, ils sortent de la ville de manière restreinte pour gérer les gens charnels. Maintenant, jetons un coup d'œil à la vie des gens charnels. Le royaume du millénium commence avec très peu de gens charnels. Dans les sessions précédentes, j'ai expliqué qu'il y avait un nombre important d'Israélites et qui ont survécu dans la forteresse que Dieu avait préparée et qui sont entrés dans le royaume du millénium. Le nombre n'est cependant pas assez grand. Même s'ils ont fui vers la forteresse, certains d'entre eux, ils sont sortis et sont morts, et d'autres, ils sont morts au combat contre les forces de l'Antéchrist. Par conséquent, le nombre de personnes qui ont survécu est bien inférieur à celui de ceux qui ont initialement fui vers la forteresse. La raison pour laquelle j'ai dit que le nombre est important et que le nombre d'Israélites est assez important par rapport à la population totale de ceux qui ont survécu à la grande tribulation de 7 ans. Dans la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans, pendant ces 3 ans et demi, le peuple d'Israël déchira son cœur dans la repentance. À ce stade, ils arrivent à savoir exactement que c'est lui qu'ils ont tué il y a 2000 ans et leur roi et leur messie. Étant donné que le nombre total de personnes qui ont survécu est très faible, le nombre d'Israéliens est relativement supérieur à celui des autres. Bien sûr, il y a d'autres survivants pour ne pas recevoir la marque de la bête. Certaines d'entre eux se cachèrent profondément dans les montagnes. Même certains de ceux qui ont reçu la marque ont également survécu. Je crois que vous avez entendu dire que certaines personnes ont préparé de la nourriture dans des cachettes souterraines profondes pour la future guerre nucléaire. Parmi ceux qui ont reçu la marque pendant la grande tribulation de 7 ans, certains ont préparé cette cachette. Surtout dans la ville de Petra, les provisions y ont été mises de côté car les prophéties sur ce qui est à venir ont été racontées par de nombreuses personnes. Un guide touristique m'a informé il y a des années que des gens avaient accumulé la Bible et stocké des provisions à l'intérieur de cette forteresse. C'est pour se préparer à la grande tribulation de 7 ans et pour se cacher et survivre. Un très petit nombre d'entre eux et se sont cachés et ont survécu dans une telle cachette, tandis que les gens vivaient dans l'horreur de s'entretuer.
Bien sûr, tous n'ont pas survécu, même s'ils se sont cachés au fond des montagnes ou de ces cachettes. C'est un petit nombre de personnes dont la condition physique est forte et qui ont une vitalité exceptionnelle pour la vie pourront survivre. Par conséquent, le nombre des survivants est extrêmement faible par rapport à ce que vous estimez. Ici, sur chaque continent, de tous ceux qui se sont cachés dans les montagnes, et seules quelques personnes ont survécu. Permettez-moi de mettre le nombre exact, car c'est un si petit nombre que vous ne le croirez pas. De plus, parmi les personnes qui ont réussi la marque et se sont cachées sous terre, seules quelques-unes ont survécu. Sur chaque continent, je ne vous ai pas dit le nombre exact. Si vous les additionnez tous, combien en restera-t-il? Il y en a que quelques milliers. Vous pouvez facilement imaginer à quel point la grande tribulation de ces temps sera misérable et à quel point ceux qui se détruisent seront mauvais. Ainsi, vous trouvez dans la Bible qu'un tiers de l'humanité est tué depuis le début de la grande tribulation de ces temps. De telles choses se répètent plusieurs fois par la suite. D'ailleurs, j'ai également expliqué qu'un si nombre, un si petit nombre, augmenterait rapidement en utilisant l'exemple de l'exode des Israélites d'Égypte. Vous pouvez facilement vous faire une idée approximative à travers le cas d'Adam et d'Ève. Même après le déluge de Noé, la population a considérablement augmenté rien qu'à travers la famille de Noé. La population augmentera alors beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y aura ni maladie ni mort dans le royaume millénaire. De plus, lorsque la population est petite, elle enfante continuellement pour se multiplier en nombre. La douleur de l'accouchement n'est pas aussi forte qu'aujourd'hui. Ils ne verront pas la mort et auront toujours à manger. Donc, leur nombre augmentera continuellement. De plus, par la force et la puissance de Dieu, ils ne sont même pas gravement blessés. Il y a 4 saisons comme nous en avons aujourd'hui et le temps est différent selon les régions, mais il n'y a pas de chaleur ou de froid extrême nulle part. Les régions polaires ne sont pas couvertes de neige, il n'y a pas de désert. La température des endroits est juste un peu plus élevée ou plus basse, ce qui est la plus optimale pour les êtres humains. Par exemple, en automne, le vent devient un peu plus frais, les feuilles tombent et le flair perd leurs pétales. Dans cet environnement, les gens charnels vivent des vies heureuses et ils construisent des maisons, font du feu et développent la civilisation à leur manière. Ils construisent des maisons, fabriquent des vêtements et font de l'agriculture et se marient. Même s'ils construisent des maisons, comme ils n'ont ni briques ni béton, ils utilisent du bois ou des peaux d'animaux. Ils ont de l'expérience et des connaissances sur la civilisation, mais ils ne peuvent vivre que des vies primitives puisque les conditions nécessaires pour utiliser les connaissances n'existent pas. Et par exemple, lorsqu'ils produisent des vêtements, des ustensiles ou des récipients, ils ne peuvent rien fabriquer dans une usine ni utiliser des machines pour produire de beaux produits. Même s'ils ont des connaissances, ils ne peuvent pas réellement les produire. Même si leur niveau de vie s'améliore, leur production ne dépasse pas l'artisanat familial. Une autre raison pour laquelle la civilisation ne peut pas devenir comme celle du passé est qu'il n'y a pas de ressources qu'elle puisse développer et utiliser. Lorsque le Seigneur restaure l'environnement avec sa parole, il fait fleurir les arbres et les plantes avec une terre fertile et de l'eau propre. Mais ce n'est pas les ressources naturelles telles que le charbon, le pétrole et l'uranium sont restaurés. Après avoir voyagé initialement à cheval, peuvent être capables de fabriquer des voitures ou des chariots, mais ils ne peuvent pas fabriquer un avion ou un véhicule à moteur. Ils ne peuvent pas les fabriquer à 1 000 ans ni produire d'électricité. Bien sûr, ils deviennent plus avancés que l'état primitif parce qu'ils ont connu la science et la civilisation. Même ainsi, comment pourraient-ils mettre en place une centrale électrique et fournir de l'électricité? Pourraient-ils fabriquer des avions ou des automobiles? Non, ils brûlaient des arbres pour faire du feu, mais il n'est pas possible de faire un réchaud à pétrole.
mais ne les imaginez pas vivant à l'état primitif. Les gens supposent que l'humanité a découvert comment faire du feu en broyant rapidement des pierres ensemble après de nombreuses années de leur existence, mais ce n'est pas vrai. C'est ainsi que les gens supposent que la civilisation primitive s'est développée, mais ce n'était pas le cas en réalité. Ayant tout gouverné dans le jardin d'Éden au second ciel, Adam possédait une quantité considérable de connaissances. Alors, comment Adam et ses que l'on suivit jusqu'à la terre auraient-ils pu ne même pas avoir savoir faire du feu? Ils avaient une telle technologie et de pointe. Alors, comment auraient-ils pu ne même pas savoir faire du feu, mais l'avoir découvert bien des années plus tard? C'est pas vrai. C'est exactement ce que les gens estiment de la façon dont la civilisation s'est développée. Ainsi, ils brûlaient des arbres pour faire du feu, mais il n'est pas possible de faire un réchaud à pétrole. Ils ont cette limitation, mais la vitesse de montée de leur civilisation est plus rapide que celle du passé. Même s'ils ne peuvent pas utiliser pleinement leurs connaissances, il y a une grande différence entre avoir la connaissance de la civilisation passée et n'en avoir aucune connaissance du tout. Dans une limite que Dieu permet, la qualité de vie se développe beaucoup plus rapidement que par le passé. Maintenant, comment les gens vont-ils se comprendre quant aux gens charnels qui ont survécu à la grande tribulation de sept ans? Les anglophones continuent de parler anglais dans le royaume millénaire et les coréens continuent de parler coréen. Les personnes parlant la même langue se rassembleront et leurs descendants parleront la langue de leurs parents. Et comme le nombre de survivants est faible ou comprenez-moi et qu'il n'y ait pas autant de langues aujourd'hui, même lorsque des personnes de langues différentes se rencontrent, ceux qui connaissent l'autre langue peuvent traduire les unes pour les autres. Ils peuvent également apprendre de langues étrangères. Par contre, les gens spirituels ne parlent qu'une seule langue. Leur langue n'est pas comme l'anglais, le français ou l'allemand. Ils parlent une langue spirituelle commune. Même sans processus d'apprentissage, les gens spirituels peuvent naturellement parler la langue avec la puissance de Dieu. Et quelqu'un vous a-t-il appris à prier en langue? Si Dieu vous donne le don de langue, n'importe qui peut prier en langue couramment. Certains en français, d'autres en chinois, d'autres encore en japonais, en anglais, etc. Même sans que quelqu'un vous enseigne, vous pouvez tout faire avec la grâce de Dieu. Vous pouvez également le faire dans différentes langues. Les gens spirituels parlent tous une seule langue, mais ce n'est pas le cas des gens charnels. Les gens spirituels n'ont pas besoin de lutter pour étudier ces nouveaux langages spirituels. C'est la langue originale que Dieu nous a donnée et nous pouvons l'apprendre automatiquement. Cependant, dans le cas où les gens spirituels doivent sortir de l'une des villes branches, ils utiliseront le langage charnel approprié de ses voisinages et devraient communiquer avec les gens charnels en utilisant le langage qui parle les gens charnels. En fait, même sans connaître la langue, il n'y aurait pas autant d'inconfort. Ils se comprendraient par geste. Si nous devons dire « mangeons » à un Américain sans comprendre l'anglais, vous pouvez faire ces gestes, n'est-ce pas? Si nous voulons décrire la boxe, nous pouvons le faire avec un point ferme. Même si nous ne connaissons pas la langue, nous pouvons à peu près nous faire comprendre. Nous pouvons également apprendre la langue ou les langues, dans plusieurs langues. Par conséquent, les gens spirituels qui sont envoyés sur d'autres continents sont ceux qui parlaient la langue qui était parlée dans leurs continents respectifs. Même pour les gens spirituels, ils ne peuvent pas parler toutes les langues des continents respectifs parce qu'ils ne les ont pas apprise. Ainsi, si l'anglais y est parlé, des anglophones sont envoyés et leurs anciennes. Par exemple, sur le continent où les gens parlent coréen, ceux qui peuvent parler coréen
parmi les gens spirituels sont envoyés. De temps en temps, lorsque les gens spirituels qui ne peuvent pas parler coréen visitent des régions où les gens parlent coréen, un locuteur coréen bilingue et traduira. Fondamentalement, il est prudent de penser qu'il n'y a pas de problème de communication entre les gens spirituels et entre les gens spirituels, les gens charnels. Chers frères et sœurs, les gens spirituels qui sont dans le corps ressuscité ne changent pas d'apparence. Il conserve l'apparence la plus active et la plus belle d'un homme ou d'une femme de 33 ans. D'autre part, les gens charnels vieilliront, même s'ils ne mourront pas de vieillesse. Selon la loi de la chair, le vieillissement progressera. Mais contrairement à aujourd'hui, le vieillissement n'est pas rapide, mais très lent. Lorsqu'un enfant naît et atteint un certain âge, l'enfant grandira à un rythme similaire à celui d'aujourd'hui. L'enfant marchera et sautera bientôt et grandira en devenant un adolescent. Cependant, dans la vingtaine, le vieillissement progresse très lentement. Il en est de même dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, etc. En d'autres termes, le vieillissement s'effectue très lentement pendant la période de 1000 ans. Les gens spirituels ne vieillissent pas, mais restent à 33 ans. Les gens charnels vieillissent, mais à un rythme lent. Et pourquoi? Même s'ils vivent, ils vivent 1000 ans au maximum. Et c'est pas plus de 1000 ans. Comme vous le trouvez dans le livre de la Genèse, les gens ont vécu plus de 900 ans, n'est-ce pas? Même s'il y avait la mort à ce moment-là, mais dans le royaume du millénium, il n'y a pas de mort, même si un enfant met sa main dans la tanière d'une vipère, il ne sera pas mordu. Les gens vivront dans un tel environnement où il n'y aura aucune pollution, même s'ils vieillissent. Le processus est très, très lent. Et même vers la fin du millénaire, ils ne diront pas, je n'ai plus d'énergie, je suis sur le point de mourir, ils ne diront pas cela. Cependant, au fil du temps, les symptômes du vieillissement apparaissent comme l'incapacité de concevoir un enfant. Par conséquent, les gens ne peuvent pas donner naissance à des enfants continuellement pendant 1000 ans. Lorsqu'une personne a atteint un certain âge, elle ne peut plus concevoir de bébé. De plus, elle ne peut pas avoir 30, 40 ou 50 enfants, même si elle vit 1000 ans. Comme autrefois, les Coréens peuvent avoir 3, 5 ou tout au plus 10 enfants. Au début du royaume du millénium, elle donne naissance à un nombre relativement plus important d'enfants, mais à mesure que la population augmente, ils ont moins de bébés. Tous ces nouveaux-nés vivent dans un bon environnement, mais tous ne sont pas également sains et sages. Puisqu'ils héritent de l'énergie de leurs parents, il y a une différence à s'adapter à leur environnement. Certains s'adaptent relativement bien à l'environnement, mais d'autres ne s'adaptent pas aussi bien. Même s'il n'y a ni maladie ni mort, selon la justice, leur santé, leur sagesse et leur caractère sont différents les uns des autres. Chers frères et sœurs en Christ, pouvez-vous comprendre plus concrètement la vie du royaume du millénium? Même si vous ne vivez pas comme des gens charnels dans le royaume du millénium, n'est-il pas agréable d'en être conscient? Lorsque la période paisible des 1000 ans est terminée et que la terre est remplie de gens, un grand incident s'est produit. Apocalypse 27 à 8 dit, « Quand le 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Lorsque le royaume du millénium a commencé, Dieu a confiné le dragon et d'autres mauvais esprits dans l'abîme. Maintenant, à la fin de 1000 ans, Dieu libère à nouveau l'ennemi diable et Satan parmi les gens charnels. Après un confinement de 1000 ans, quand Satan sort, la situation qu'elle trouve est totalement inacceptable. Les gens charnels, qui étaient autrefois sous son contrôle,
vivent maintenant comme l'agneau et ils adorent Dieu et le Seigneur. Et ils trouvent ce qu'ils adoraient, adorant Dieu et le Seigneur. Ils obéissent et suivent également les gens spirituels comme si c'était leur Seigneur. L'ennemi diable et Satan reprennent le contrôle du monde et manipulent rapidement les gens charnels pour être adorés par eux. Pendant 1000 ans, les gens charnels n'ont eu aucune mauvaise pensée. Ils n'ont rien fait de mal, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de mauvais attributs en eux. Leur mal original et les mauvais attributs qu'ils avaient dans ce monde sont toujours restés. Ceux qui ont survécu à la grande tribulation de ces temps avaient naturellement de mauvais attributs, et surtout ceux qui ont reçu la marque de la bête ont fait des choses terriblement mauvaises. De plus, leurs descendants ont hérité de mauvais attributs dans leur nature. Ils n'ont pas rencontré des situations qui pouvaient provoquer leur mal parce qu'il n'y avait pas de mauvais esprits autour depuis 1000 ans. Peu importe à quel point une personne est mauvaise, si elle vit dans un environnement paisible où elle a suffisamment de nourriture et n'a pas besoin de se battre ou de convoiter et que son mal n'est pas provoqué, n'aurait-elle pas l'air d'être bonne? Certaines personnes semblent être douces, mais à l'intérieur, elles sont remplies de tromperies. Toutes leurs paroles sont complètement mensongères et ils refusent d'admettre tout ce que les autres disent. Chaque parole qu'ils disent est un mensonge. Ayant vu de telles personnes tant de fois, je vous avertis de ne pas vous y tromper. Il y a beaucoup de gens qui profitent, qui profèrent des mensonges en disant « J'ai moi-même vu quelque chose ». Certaines personnes ne sont pas susceptibles de mentir. Ils disent apparemment ce qui est la vérité, mais ils disent en fait des mensonges. Vous devez être conscient qu'il y a beaucoup de personnes de ce genre autour de vous. L'étude de l'histoire m'a été très utile. Au fur et à mesure que j'apprends l'histoire, je découvre qu'il y a encore longtemps, la plupart de ceux qui occupaient un rang social élevé vivaient une vie de tromperie, malgré le fait que la Corée s'appelait la terre orientale de la courtoisie et enseignait l'éthique à son peuple. Ils ont rencontré de pires mensonges au roi ensemble et n'ont pas rencontré des situations qui pourraient provoquer leur mal parce qu'il n'y avait pas de mauvais esprits autour depuis 1000 ans. Une fois, j'ai comparé l'œuvre de Satan à une onde radio. Même si nous ne pouvons pas le voir, il y a de nombreuses ondes radio dans l'air. Et tant qu'ils n'avons pas réglé le sceptre de la radio sur un certain signal radio, nous ne pouvons pas entendre l'émission. Et de même, lorsque Satan essaie de travailler avec de mauvaises pensées, si vous n'avez pas le mal dans votre cœur, vous ne recevrez pas l'œuvre de Satan. De plus, même si vous réglez sur une chaîne spécifique, s'il n'y a pas de station de radio qui envoie son signal, vous ne pourrez pas entendre aucun son. En d'autres termes, quel que soit le mal qu'un homme a, s'il n'y a pas de Satan qui gouverne le mal ne sera pas suscité et vivra comme un homme de la bonté. Ceux qui ont vécu une vie de bonté pendant 1000 ans, ils sont rapidement souillés par le mal. Une fois que Satan est libéré, ils ont le mal originel à l'intérieur, mais cela est resté en sommeil pendant cette période et Satan travaille sur les gens et attise leur mal. Disons qu'il y a beaucoup de déchets dans cette verre d'eau. Ils couleront tous au fond d'ici. Une semaine ou deux, après des restes cachés, l'eau au-dessus se transforme en eau claire, n'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si quelqu'un jette cette
et ce verre, l'eau sera mélangée avec du reste, n'est-ce pas? Sans le mauvais esprit, les mauvais attributs des gens disparaissent tous et restent en sommeil dans la profondeur de leur cœur. Alors que Satan est libéré, contrôle le cœur et le pensée des gens, le mal qui n'avait pas été rejeté ressort. Afin que vous receviez bien la culture humaine, vous devrez extirper les racines originelles du mal. Après un certain gêne, vous pouvez avoir l'impression que le mal a été rejeté. Après un certain temps, cependant, si vous êtes tenté ou si une situation stimulante, le mal survient, elle revient à la vie. Vous êtes déçu en passant. Je pensais que cela a été rejeté, mais il y en a toujours. Ainsi, le mal doit être éliminé à sa racine. Vous devez vous débarrasser de leur racine en premier lieu. Même si vous tondez les mauvaises herbes et l'herbe, si les racines restent, elles repousseront bientôt. De même, nous devons nous débarrasser de racines du mal. Vous devez lutter contre de tels péchés jusqu'au sang, même si la Bible nous exhorte à le faire jusqu'au sang. Si vous n'essayez même pas de le faire, mais prenez simplement le large chemin, vous ne devriez pas dire « Je ne tomberai pas dans la grande tribulation de Satan ». Ce n'est même pas de la foi, n'est-ce pas? Satan ne travaille plus dans les airs et comme elle en avait dans l'air comme elle en avait l'habitude, mais elle gère les gens charnels directement dans le premier ciel. De cette façon, Satan peut souiller les gens avec le mal et les contrôler d'autant plus rapidement et plus fortement. Même si Satan est libéré temporairement, de nombreuses personnes sont trompées pendant cette période. De quel genre de tromperie s'agit-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre une vie abondante à l'intérieur de la ville? Pourquoi devrions-nous vivre misérablement ainsi en dehors de la ville? Pourquoi devrions-nous servir les gens spirituels? Nous voulons aussi être servis et profiter de beaucoup de choses à notre guise. Satan attise le désir de gloire et de pouvoir afin que les gens charnels aient de la rancune contre les gens spirituels. Lorsque l'ennemi diable et Satan n'est pas libéré, il n'y a personne qui le provoque à des sentiments ou à des pensées malveillantes. Alors que leur mal n'était pas excité, ils sont restés calmes et obéissants. Mais à mesure que le mauvais esprit sont libérés et les stimulent, les changements se produisent et se transforment en personnes différentes. C'est votre cas. Supposons que vous menez une vie de bonté et que quelqu'un vous stimule. Il rencontre des mensonges et invente des histoires comme s'ils savaient tout. Vous les écoutez et les croyez. Satan trompe particulièrement ceux qui occupent des postes de direction afin qu'ils puissent se rassembler pour se rebeller contre les gens spirituels. Nous examinerons la suite de l'histoire dans la prochaine session. La raison pour laquelle Dieu libère l'ennemi, diable et Satan, après les avoir enfermés pendant 1000 ans, doit être expliquée dans la prochaine session. Dieu le fait parce que c'est nécessaire et ce n'est jamais pour conduire les gens sur le chemin de la destruction. C'est par son amour, c'est pour conduire au ciel les vrais enfants, pas les faux. Peu importe à quel point vous semblez doux et bon en ce moment, Dieu regarde au plus profond de votre cœur, n'est-ce pas? Si vous ne déracinez pas le mal et la contre-vérité du fond de votre cœur, cela ne sert à rien. Le ciel n'est pas un endroit pour de telles personnes. Il ne devrait y avoir aucune forme de mal et de contre-vérité. Dieu veut que ses enfants deviennent vraiment sanctifiés et ressemblent à notre Seigneur. L'homme a perdu l'image de Dieu et Dieu veut que ceux qui ont retrouvé cette image perdue. C'est pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous devriez vivre une vie chrétienne en tant que telle et marcher sur le chemin étroit et qui est la voie du salut. Pendant que vous liez d'amitié avec ce monde et que vous commettez des péchés, des œuvres de la chair, que vous vous adonnez au plaisir mondain et que vous marchez sur le large chemin, vous ne pouvez pas dire « Je suis sauvé ». Si je me faisais plaisir avec de jeunes membres adultes, je ne dirais pas cela, mais je serais simplement indulgent en disant « Allez-y simplement avec votre foi, vous pouvez être sauvé ».
que si vous priez, assistez au kit et payez la dîme, alors je serai aidé. Les jeunes adultes hommes m'aimeront aussi beaucoup. Si je dis simplement, ça ne ferait pas de mal de fumer quand il n'y a personne autour de vous, sauf quand vous venez à l'église. Beaucoup d'entre eux m'aimeront et ne quitteront pas cette église. Qui quitterait cette église si j'ai l'air enseigné qu'ils peuvent aller au ciel avec cette vie de foi décontractée? Supposons que je dise que le ciel existe sûrement tout en l'air montrant toujours des prodiges, des signes et la puissance de Dieu et en l'air enseignant qu'ils peuvent aller au ciel. Ils ne quitteront pas cette église. Cependant, s'ils pouvaient aller au ciel en faisant cela, j'enseignerai comme cela. Mais même pas un seul verset de la Bible dit que nous pouvons être sauvés par une telle vie chrétienne. Au lieu de cela, il nous ordonne seulement de rejeter toute forme de mal. Le ciel était un tel endroit. Pour cette raison, même s'ils ont vécu paisiblement pendant le royaume millénaire, ils ne peuvent pas être amenés au ciel. L'ennemi, diable et Satan doivent être libérés. Ils ont besoin de faire le tri à travers le test parce qu'ils ont été enseignés par les gens spirituels pendant un millénaire. S'ils se sont vraiment changés, ont une vraie vie, aiment Dieu et ont l'espoir dans le ciel, il n'y aura aucun moyen et qu'ils soient trompés. Je continuerai à expliquer cela dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure, mes chers frères et sœurs. Apocalypse 22:20 dit, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus. En attendant ce verset, certains d'entre vous pourraient dire, le Seigneur ne devrait pas venir si tôt. Ils le disent parce qu'ils ne sont pas encore prêts comme épouse. Cependant, d'autres disent la même chose avec un sens différent. Ils disent cela parce qu'ils veulent profiter de beaucoup de choses dans le monde. Comme se marier, donner naissance à des enfants. C'est pourquoi ils disent que le Seigneur ne devrait pas venir si tôt. Et quelle ignorance spirituelle, la nourriture qui est si délicieuse pour les gens charnels n'a même aucun goût pour les gens spirituels qui sont dans les corps ressuscités. Il y a de nombreuses années, lorsque les gens étaient pauvres et affamés, ils pouvaient même savourer une soupe d'herbes amères. Mais pensez-vous que cela vous plairait maintenant? Il en est de même dans le monde charnel. Peu importe à quel point c'est bon et agréable dans ce monde, cela peut être comparé au bonheur dont les enfants de Dieu jouiront après le retour du Seigneur. Je crois que vous vous parez tous avec diligence en tant qu'épouse parce que vous comprenez ce fait. J'espère que vous resterez diligents tout au long de l'année 2023, afin que, comme l'apôtre Jean, vous aussi puissiez confesser « Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est faisant que vous puissiez non seulement vivre en tant que roi dans le royaume millénaire, mais aussi recevoir un remplissage élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père, alléluia, Père de gloire, merci encore pour ce message. Permets que nous puissions rester éveillés pour que nous puissions être enlevés, que nous ne puissions pas tomber dans la grande tribulation de ces temps. Permets que nous puissions être enlevés au retour du Seigneur pour que nous puissions régner, que nous puissions être comme des rois pendant le royaume du millénium. Nous voulons régner avec notre Seigneur, visiter des endroits et permettre que nous puissions vraiment mener une bonne vie chrétienne, que nous puissions nous débarrasser du mal, que nous puissions vivre dans la lumière, dans la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du malade du pasteur principal. Si vous voulez poser vos mains sur vos parties malades, vous posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Père, transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, via satellite, sur tes enfants des églises, branches, sanctuaires locaux et sur tes enfants à travers le monde. Donne-leur la foi de croire. Et chasse tout ce qui est pensée négative et douce. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Et puis, jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, les tissus, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies, afin de terminer les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toute maladie contagieuse, telle que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, et toutes sortes d'inflammations puissent quitter et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Et guéris-les tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérés et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le ciel, les célestes et leur serviteur qui t'élèvent, tout ce qui est esprit impur, esprit de division, tout ce qui est esprit de séparation, tout ce qui est ténèbres qui t'élèvent, tout ce qui est chaîne, mais ce soit brisé, ténèbres qui t'élèvent, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail, leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, pensée, les choses mondaines, et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen.